Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui au programme, voilà, un petit peu de musculation. J'ai sorti le stepper que vous pouvez voir là, les haltères qui sont ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un abonné qui m'a proposé un défi et je tenais à le relever. Donc il faut que je me mette quand même un petit peu en condition avant de pouvoir relever ce challenge. N'hésitez pas aussi, quand vous aurez vu cette vidéo challenge défi proposé par un abonné, à me proposer d'autres défis dans les commentaires. Ça pourrait être super sympa. Et donc en attendant, on va se mettre à notre petite séance de sport. Bon alors Bernard, il soulève combien là? Alors je crois que c'est des haltères de 4 kilos. C'est-à-dire que là, vous avez 1 kilo ici et là. Vous avez 0,5, donc ça nous amène déjà à 3 kilos. Il y a 1 kilo de barre et je crois les deux écrous font 1 kilo aussi, donc ça nous amène à 4 kilos les haltères. Oui, il y en a dans les commentaires qui vont dire Bernard, t'es gentil, mais en fait tu as des haltères que de 4 kilos. On se muscle comme on peut, hein? On commence là où on commence. Moi je peux vous assurer que 4 kilos pour le moment, pour moi c'est très bien, hein? 1 hour later. On se retrouve, je suis en train de composer une enveloppe pour pouvoir envoyer une lettre à un youtubeur que je kiffe qui est Roman Atwood. Alors je me suis amusé à faire un petit montage photo. Vous pouvez voir Roman Atwood ici, sa femme Britney, vous pouvez le voir avec Kane, vous pouvez le voir avec son fils Noah, leur chien Zeus. Il y a aussi Flash qui est ici. C'est un youtubeur que je suis sur YouTube. J'aime beaucoup sa façon de faire les vlogs. J'aime beaucoup sa façon de penser. C'est toujours agréable de voir ses vlogs, de voir sa vie de famille, etc., etc. Et je me suis décidé à lui faire une petite lettre. Alors là, c'est l'abonné qui parle, hein. C'est le petit fan. Donc voilà. Je suis tout excité à l'idée de lui envoyer cette lettre. Je sais pas du tout s'il va me répondre. Bon bah, s'il me répond pas, ce n'est pas grave. Mais au moins, ça aura été chose faite. Je vais lui envoyer ça dans cette petite enveloppe. Donc il habite aux États-Unis. Donc sur cette petite enveloppe, je vais mettre l'adresse. Je vais mettre aussi par avion. Je sais pas encore si ça a une signification à ce jour de mettre par avion pour que ça arrive plus vite. Voilà, l'adresse est rédigée et je me suis même permis de mettre un petit commentaire derrière. Ne pas plier, s'il vous plaît, de notre bend, please. Oui, je sais, mon anglais est très approximatif. Bon voilà, ça y est les gens, la lettre est postée. 4,50€, hein, quand même pour un envoi à l'international aux USA. J'ai pris l'option lettre suivie, comme ça je saurai exactement à peu près quand est-ce qu'ils l'auront reçu. C'est pas ému, mais c'est tout fier que j'ai fait ce courrier en tout cas, parce que voilà, c'est vraiment des gens que j'affectionne beaucoup sur YouTube. Que ce soit Roman, Britney, Kane, Noah, Cora, que j'ai peut-être oublié de vous citer quand je vous ai montré la lettre. Et Cora, c'est la dernière née de la famille Atwood. Donc normalement, dans 4 jours, ça devrait être bon, ils devraient l'avoir reçu. Je sais pas si... Voilà, c'est spécial. Hein. Bon, il fait beau, la voiture est dégueulasse, on va la laver. Au final, on se retrouve à la maison. J'ai pas été laver la bagnole, pourquoi? Parce qu'il commence à se faire faim, il doit être aux alentours de midi et je commence à péter la dalle. J'ai eu la bonne surprise d'ouvrir ma boîte aux lettres et d'y trouver un colis que j'avais commandé. En gros, c'est quelque chose pour maintenir le portable sur une grille d'aération. Voilà, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, après déballage, ce que ça donne. Il y a donc le socle pour le portable, le support pour la grille d'aération et bah, la prise chargeur qu'il faudra connecter sur le chargeur allume-cigare, prise USB. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Franchement, ça a du bon d'avoir des restes de la veille. Quand t'as vraiment pas envie de te faire à bouffer, que t'as pas le time, tu bouffes les restes. Voilà. Tu fais réchauffer le micro-ondes, tu te fous ça dans une assiette et hop, c'est bon, tu t'envoies ça derrière la cravate. Nickel chrome, ça passe crème. En plus, je regarde, heureusement que je suis rentré à la maison, parce que j'avais plus de batterie. Voilà. T'es en train de clignoter, là. Ça va s'arrêter. Oh la vache! Ça fait 10 minutes que je trouve un emplacement pour me garer. Putain. Bon, du coup, je crois qu'on va continuer à pied. Il me reste, je pense, 400 mètres de la bagnole à la boutique Harry Potter. Je suis super content d'y aller. La boutique se trouve rue Romarin à Lyon. Je suis passé devant et en plus, ils l'ont rénové il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire qu'ils ont poussé les murs pour pouvoir agrandir la boutique. Allez, on continue à pâte et il faut descendre tout ça. C'est parti. Dans la joie et la bonne humeur. J'ai quand même vraiment hâte de voir ce que ça donne. Sérieux, une boutique Harry Potter à Lyon, un truc de malade. Que tu Harry Potter dans une boutique. 5 minutes later. Ça y est, après quelques minutes de marche, me voici devant la boutique Harry Potter. Bon, vous me suivez? Allez, on y va les gens.
Regardez, ils ont même fait un escalier, une sorte de porte sous l'escalier. C'est juste trop bien. Avec les araignées, le lit, le réveil, c'est juste top. C'est juste énorme. C'est juste énorme, regardez. On dirait qu'il est énorme. Vous savez sur internet qu'il existe des recettes de pierre au beurre. Oui. Là vous les achetez toutes faites. Elles sont là, les pierres au beurre. C'est juste énorme. J'ai surprise de Bertie Crochu. Vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite là-dessus? Oui les gens, la cape d'invisibilité existe réellement. Elle est ici, à la boutique Harry Potter. C'est juste énorme. Donc, une majeure partie de la cape est sur un fond vert pour pouvoir représenter justement l'invisibilité sur la vidéo quand vous l'aurez tournée. Allez, on prend tranquillement le chemin du retour. Et j'ai fait des achats. Je vais vous montrer tout ça après en rentrant. Ça va être trop cool. Mais trop génial. Oh non, 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 c'est une cafard. Bon, voilà le produit que j'ai acheté. Là, je vais mettre donc le téléphone portable. Voilà. Donc, il se charge. Il n'y a pas de problème. Il est maintenu. Bon, par contre, on va voir sur la durée. Hein, parce que, à mon avis, ça n'a pas l'air très solide tout ça. Voilà. Je vais vous montrer mes petits achats. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Mais quand même. Alors, je me suis pris. Là. Voilà. De la bière au beurre. Parce qu'il existe plein de tutos sur YouTube pour pouvoir faire sa propre bière au beurre. Mais j'ai pas eu envie de me fouler. Donc, du coup, j'ai acheté une bouteille de bière au beurre. La vendeuse m'a dit il faut la boire assez fraîche. Donc, on va la mettre au frigo. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et je me suis pris une toute petite chose. Alors, beaucoup ont commencé, je pense, la collection. Il y en a beaucoup, je pense, qui en ont je ne sais combien. Donc, voilà, je me suis acheté une petite Funko Pop que je vais sûrement mettre dans le bureau là où je fais mes montages. Ça fera une petite décoration bien sympa. Bon, on va mettre la bière au beurre au frais. Donc, pour activer les choses, je vais la mettre direct dans le congélo. Je vais laisser quoi? Une demi-heure, je pense. Ouais, ce serait con que ça soit un glaçon, hein, quand même. On se retrouve après? La bière est fraîche. Bon, je vous propose qu'on la déguste, qu'on goûte ça. Ça fait une demi-heure qu'elle est au frigo. Santé les gens. Alors, ça sent la vanille. Ça sent le caramel là-dedans, là. Ouais, c'est spécial, hein. Hashtag Potterhead. Vive Harry Potter. Alors, effectivement, il faut la boire bien fraîche. Elle a un aspect assez crémeux. Vanille. On a vraiment l'impression de goûter de la glace à la vanille. En fait, on a l'impression d'avoir ce goût-là dans la bouche une fois qu'on a fini de la boire. Ouais. Et après, on a le caramel qui revient. Ouais, c'est pas mauvais. C'est bon. Par contre, voilà, bon, il n'y a pas d'alcool hein, dedans. 100% naturel, sans gluten. Voilà. J'en connais qui vont être contents. Non, franchement, elle est bonne. C'est à tester, c'est à goûter. Ça, c'est sympa, en tout cas. C'est la première fois que j'en buvais. Je voulais absolument essayer de m'en faire avec les tutos YouTube. Mais franchement, la flemme, quoi. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Donc, je te confirme, Antoine, que cette bière est très bonne. Seul Antoine sait. Et nous voici parés donc en place pour le stream que vous pouvez voir diffusé ici. Alors vous inquiétez pas sur les retours, hein, c'est ma télé qui fait ça. En effet, quand je la regarde moi, j'ai pas tous ces gribouillis qui apparaissent sur l'écran. Voilà, donc là vous pouvez me voir, je suis en train de streamer. Salut les gens, salut, coucou, bonjour à tous ceux qui sont en train de me parler aussi sur le live. Donc comme vous pouvez le voir, on s'est fait un petit peu éclater, hein, en haut à gauche. Dommage,
On était plus que 47 sur la map, mais c'est déjà pas mal. Par contre, en section, c'est quand même beaucoup plus dur. Tout dépend des personnes avec qui vous tombez, s'ils sont forts, pas très très forts, etc. etc. Bon, ils partent avec une tarte quand ils jouent avec moi, parce que moi, je suis vraiment mauvais. Alors par contre, il y a un truc que je ne comprendrai jamais, il faudrait que vous m'expliquiez les gens, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est que quand vous faites des sections, pourquoi vous obstinez à aller toujours là où il y a plein de monde? Ah oui, parce que sinon, tu perds le plaisir de jouer. C'est-à-dire que tu arrives, tu as 99% de chances de te faire éclater. Tellement on est nombreux sur le point d'atterrissage qui est donné, franchement, j'ai toujours eu du mal à comprendre. D'ailleurs, il y a Benj qui vous fait un petit coucou. Merci à lui d'avoir fait un petit coucou sur le stream, c'est toujours très gentil de votre part. N'hésitez pas d'ailleurs à m'ajouter sur le PlayStation Network, donc Globule. Ça pourrait me faire super plaisir de jouer bientôt avec vous. Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos commentaires, partages sur toutes les vidéos. C'est très très gentil de votre part. Ça me fait vraiment super plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes unique. Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!